namenlos und ohne Lieder recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klagenlos. Man hört uns doch nach einem Windstoß. Bonjour à tous, vous avez donc choisi la vidéo sur mon Snipe. Je vais donc vous le présenter. Tout d'abord, c'est un Well MB01, un modèle cheap donc, qui soit il a été upgradé et tire très très bien, je suis très content. Alors, au niveau interne, c'est un chambre op-up PDI, avec canon de précision 6.01 PDI Raven, donc la version un peu plus cheap. Le joint op-up, c'est un PDI-W sur lequel j'ai renforcé un petit peu les pattes d'appui, ce qui donne un très bon effet op-up et une régularité quand même plutôt badass. Au niveau du camo, comme vous en doutez, c'est du camo fait maison, donc bêtement deux rouleaux. Donc ici, je vais encore finir un peu de le peindre pour avoir une couleur plus uniforme, autour duquel j'ai posé une Gilly. Donc c'est une Gilly que j'avais acheté sur un site tout fait, et il rend plutôt bien. D'ailleurs, sur la photo de mon profil, vous pourrez voir en fond ce que ça donne sur du terrain. Franchement, ça camoufle très bien. Alors au niveau du piston, tout est encore d'origine. J'ai déjà fait des tests de FPS avec, les FPS sont très réguliers, donc pour l'instant je n'ai pas encore eu l'utilité de le changer. La lunette, c'est une 3.9x40 surmontée d'une caméra Sony pour pouvoir faire du scope cam. Alors au niveau de la fixation, je reprends l'idée qu'avait eu Vavan. Donc la caméra est fixée sur deux rails. Donc ici, il y a moyen évidemment de replier l'écran quand on se démerde. Voilà, de replier l'écran. Comme ça, il est protégé et il est encore mieux camouflé. Au niveau du chargeur, donc c'est les chargeurs 20 coups. Et les billes utilisées, voilà, c'est de la 0.40 King Arm grise. Bon, j'avais au début commencé par des 0.40 Blaster Devil. J'étais pas du tout satisfait de la régularité. Et après, je suis passé à la King Arm, mais franchement, ça donne. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas. J'y répondrai, et sinon il y aura plein de vidéos qui vont être postées. Le site se met petit à petit en route. Voilà, salut à tous!